C'est parti pour cette vague de qualification. Dès le début, nous avons évolué le numéro 1, Florence Rochon. C'est un pari de la première position. Les observateurs s'approchent. Nous voyons le numéro 3, Sandrine Rochon. Donc, la famille Rochon est au poste de commande. Cependant, Jacqueline Paquet vient à la position dernier mot, ainsi que Anne Raphaël, puisque c'est 2-2. Nous assistons à toute une vague. C'est une vague relativement relevée, comme toutes les autres vagues d'ailleurs. Donc, le volet numéro 1, Florence Rochon, le volet numéro 3, bien sûr, Anne Raphaël va tenter l'impossible pour s'emparer de la deuxième position. Quelle est la manœuvre exécutée par la chasseuse de numéro 4, Anne Raphaël, qui est en la cloche. Pendant ce temps, nous avons vu Florence Rochon qui se sauve. Est-ce que Sandrine Rochon va venir compléter? Est-ce qu'elle va, Jasmine va tenter quelque chose? Non, le 1, le 4, le 3 et le 2.